Bonjour, je suis Catherine de Leonardi, je suis coach professionnelle spécialisée en développement du savoir-être et de la communication. J'ai été directrice générale associée d'une agence de communication interne et événementielle. Donc quand j'ai démarré, j'ai fait, je pense, comme beaucoup de gens, je me suis intéressée à monter une société, quel statut choisir, ce qu'il fallait faire. Là, ça a été panique à bord. Et d'autant plus que je me suis retrouvée un 23 décembre en fait dans l'obligation de justement de trouver une solution parce que je démarrais le 2 janvier une mission et je ne savais absolument pas comment faire. Et là, tout d'un coup, j'ai réalisé que j'avais en fait travaillé avec beaucoup de freelances et d'indépendants qui étaient en portage. Donc ça a fait tilt dans ma tête et je suis allée fouiller sur Internet donc pour essayer de trouver une solution dans ce cadre-là. Ça n'a pas été simple parce qu'il y avait beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. Donc j'ai été au plus simple, là ça a été mon credo, aller au plus simple. Donc j'ai choisi les deux qui ressortaient en premier. Et je les ai appelés, nous étions donc un 23 décembre dans l'après-midi et ils ont eu les deux, ont eu la gentillesse de me recevoir un 24 décembre au matin, ce qui était quand même assez, assez fort de leur part et prouvait déjà quand même pas mal de capacités et de compétences. Et je me suis retrouvée donc un 24 décembre à avoir un choix à faire dans ce cadre-là. Et j'ai choisi JAM sans aucun état d'âme parce que j'étais donc dans ce credo de la simplicité et que ça m'a paru extrêmement simple et clair, ce qui n'était pas forcément le cas de ceux que j'avais rencontrés à côté. Le portage salarial, je l'ai choisi parce que ça m'a simplifié la vie, il n'y a pas d'autre mot. À plusieurs niveaux, d'abord éviter toutes les questions de paperasse, telles que je les imagine peut-être, mais elles sont, je pense, assez réelles. Les problèmes de choix, de statut, donc effectivement, savoir ce qui était le mieux pour moi. Là, c'était l'idéal puisque ça ne changeait rien par rapport à mon ancien statut de salarié. Donc, je gardais mes droits, un certain nombre de choses qui me simplifiaient bien les choses, de façon beaucoup plus simple que si je m'étais lancée, effectivement, en auto-entrepreneur ou autre type de statut. Pas besoin de chercher un expert comptable non plus, de me prendre la tête avec ce genre de choses. Enfin, tout le côté administratif, ça m'a simplifié véritablement les choses. Ça ne changeait pas grand-chose en fait pour moi. Donc ça a été un des gros critères de choix. Et je m'en félicite tous les jours. Pour résumer, le portage salarial pour moi, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, mais sans ses mauvais côtés, sans ses inconvénients. Ça a peut-être un coût, mais c'est le prix de la tranquillité.